Hey, put the camera down, man. It's showtime. All right, clear! Hey, we got some good stuff, man. Hurry up and help me get this wall, man. Hey les gamers et les gameuses, bien le bonjour ou le bonsoir. J'espère que vous allez passer une bonne après-midi ou une bonne journée du moins. Donc vous avez aujourd'hui là un nouveau pack, je vous en avais parlé hier et avant-hier, le nouveau pack du coup de la lave. Donc je vais l'acheter forcément, car j'avais prévu de l'acheter. On sait qu'il a déjà eu le pack glacial le 24 décembre, et là cette fois-ci, c'est en feu, la lave, enfin vous avez compris. Donc c'est parti, donc on va directement dans la boutique, donc c'est à 19€. 99, je vous l'avais dit, ce sera entre 20€ à 25€, ça dépend du pays où vous habitez. Certains pays, ils l'ont à 17€, sur Switch par exemple, apparemment ils l'ont à 17, et ceux qui sont sur d'autres plateformes ont un autre prix. Alors je sais pas pourquoi on a un prix différent selon les pays et les plateformes. Dites-moi si vous l'avez le même prix. Moi sur PC, personnellement, il coûte, disons, à 1 centime près, on va dire 19€, 19, mais c'est 20€ quasiment, hein, vous avez compris le truc. Donc je rappelle qu'il y a le planeur. Donc du coup, le Pyro Dragon, franchement, il est super stylé. Moi, je l'ai en version glace, donc franchement, j'ai le plaisir d'avoir en version lave et feu. Du coup, vous avez également la tenue, du coup, Valkyrie Ardente, qui est ici présente, qui est plutôt assez sympathique, faut l'avouer. Vous avez l'accessoire de dos des ailes de Valkyrie également, donc là, vraiment dans le mode feu. Donc, tous ceux qui ont des skins couleur feu, de la lave et tout, bah franchement, ces ailes vont aller sur tous vos skins. C'est quand même assez sympa. Il y a également la tenue molosse de guerre, donc toujours disponible, mais en version ardent également. Il est vraiment sympa ce skin aussi. En plus, je l'avais pas celui-ci. La L, je l'avais en l'autre version, mais je l'avais pas le molosse de guerre, parce que je l'ai pas pris la première fois. L'autre était à 2000 bucks quand même, faut pas se l'avouer. Mais là, c'est bien. Vous avez deux skins à 2000 bucks, avec un planeur qui coûte normalement 1500 bucks. Franchement, pour moins 20€, je trouve que c'est bénéfique. Deux skins légendaires avec un planeur légendaire. Franchement, Epic Games, ils se font du lourd. Vous avez également l'accessoire de dos, du coup, la cape, là, avec, qui va avec ce skins. Donc, les V-Bucks ne sont pas une monnaie virtuelle. On y précise bien, voilà. Vous avez compris quand même que là, ce sont l'argent qu'on achète et pas des V-Bucks. Donc, si vous avez 20€ sur vos consoles, ou sous dépenses sur quelle plateforme vous jouez, bah voilà, vous pouvez toujours demander à vos parents, hein, si vous êtes encore mineur, etc. Vous avez compris le truc. Donc, je vais l'acheter. Donc, je vais me précipiter. Donc, je vous dis à tout de suite dès l'achat. Et me revoilà du coup pour la suite. Donc voilà, je l'ai acheté, bam, dans mon casier comme on dit. Donc, petite présentation des 5 petits articles qu'on possède. Donc forcément, vous avez le mode de guerre ardent, qui est vraiment sympathique, franchement. Pas se mentir, il est super beau, vraiment. Donc objet suivant, vous avez donc la Valkyrie, voilà, le skins. Franchement, les deux skins sont super sympas. En plus, les yeux, ils sont waouh. Je veux dire, c'est vraiment, ça me dépasse. Les pigeons nous font des trucs de what the fuck des fois. Mais là, franchement, c'est des trucs génial. Franchement, je fais du travail de ouf. Vous avez ce petit étiquette là. Ce petit cap, franchement, elle peut aller facilement sur pas mal de skins. Bon, pas forcément sur celui-ci que je possède. Les skins qui sont, parce que y a pas vraiment de couleur noire sur elle. Mais d'autres skins qui sont du feu à la lave, ou etc. Franchement, ça peut aller sur pas mal de skins en vrai. Vous avez également ça, franchement. C'est super beau ça. Oh là là. C'est stylé, c'est stylé. Et évidemment, le Pyro Dragon, oh, yo, yo. Ça c'est du lourd les gars, c'est du lourd. Franchement, moi qui l'ai en version glace déjà, à l'avoir en version feu. En plus, il y a les yeux aussi pareil que du coup que les skins. C'est super super bien, j'adore. Ok, c'est parti. Dans mon casier. Du coup, le planeur, il est où? Vous pouvez voir, j'ai le planeur version dragon blanc, vous avez dit. Du coup, j'ai la version de ces skins.
Ah là 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 là. Du coup, voilà, c'est les deux planeurs légendaires que je possède. Donc, c'est rare que j'utilise d'autres planeurs à part l'autopin. Mais je vais le mettre parce que là, c'est pour dire. Je sais pas du tout avec le casquage que je vais commencer par jouer. Je vais les mettre dans favoris, les deux là, parce que comme ça, ils sont en haut. Attendez. Hop là. Voilà, donc je sais pas du tout avec lequel des deux. Je vais commencer par jouer peut-être le mauvais de guerre. Parce que je l'ai jamais eu et que Valkyrie, l'autre, je l'avais déjà. On va faire mauvais de guerre. Donc, on va mettre. Voilà, attendez. Attendez, du coup. On va les mettre en favori tous les deux, comme ça. Aïe. Franchement, les gars. La pioche, je vais mettre quoi comme pioche? On va mettre la pioche de feu. Tant qu'à faire, attendez. On va mettre cette pioche-là. Bah, même si c'est pas vraiment son ensemble à lui. Il y a du feu, de la lave, voilà. Franchement, il est super beau. Ah, je regrette pas mon achat. En plus, j'ai que 10 V-Bucks, c'est très triste. Je suis très pauvre. J'ai acheté du coup le petit revêtement, le lave, du coup. Franchement, on est vraiment dans le thème total. Là, on a la flamme. Et puis, il nous enflamme la scène. Donc, si vous voulez l'acheter, eh bien, demandez à vos parents si vous êtes buté encore chez eux ou vous êtes encore mineur. Sinon, bah, vous pouvez toujours acheter ce pack. Il est encore disponible pendant un bon moment. Enfin, généralement, il laisse un petit temps, hein, genre un petit mois, 3-4 semaines. Tout dépend, voilà, ils n'ont pas encore des dates fixes, mais ils le sortent aujourd'hui. Certains pays l'ont hier, ça dépend de l'endroit où vous habitez, sur quelle console vous jouez, enfin bref. Je sais qu'il y a certains qui l'ont hier, il y en a qui ont eu à partir de minuit, mais ça dépend où vous habitez en France, etc. Enfin, vous avez compris quoi. Donc voilà, franchement, je suis assez content de mon achat. Donc dites-moi en commentaire si vous le voulez, par exemple vous aussi, est-ce que vous en pensez de cet ensemble. Pour le prix, c'est franchement, moi je trouve ça vraiment bien. Après, c'est à vous de voir, franchement. Après, est-ce que vous le voulez par exemple, ou est-ce que finalement vous n'aimez pas du tout, ça peut être possible que vous n'avez pas. Hein. En vrai, que c'est pas trop votre style, etc. Ça arrive qu'il y en a qui n'aiment pas vraiment les styles comme ça et préfèrent les skins super simples. Par exemple, ceux avec un webbug ou qui sont pas, voilà. Ils sont bien aussi, je dis pas contre ça, j'en ai aussi. Attends, mais pas. Bah, certains qui aiment le plus simple, d'autres aiment les gros trucs, comme les skins sur One Kong, etc. Enfin, vous avez compris le truc. Donc surtout, voilà, notez là le petit pack d'aujourd'hui, notez bien sur 10, comme la boutique, vous le notez, vous me dites sur 10 combien vous donnez pour cette pack, du coup, ce pack nouveau, qui va rester pendant quelques temps, donc dites-moi, et puis laissez un petit like sur cette petite vidéo, ça me fera vraiment plaisir, et puis continuez à vous abonner pour tous ceux qui rejoignent, je sais pas pourquoi, mais des fois, genre, j'ai une montée d'abonnés, puis à un moment donné, j'essaie le cam, moi je sais pas trop ce qui se passe avec YouTube, je sais pas s'ils font des mises à jour ou quelque chose, je sais qu'ils ont changé pas mal de choses. Donc des fois les abonnés ils montent hyper vite, puis un coup je vois des abonnés qui descendent puis qui remontent, je comprends pas. Bref, je sais pas, dites-moi si vous aussi ça vous arrive, parce que je sais qu'il y a certains comme moi qui galèrent quand même à faire entendre son nom, on va dire. Donc j'espère que ça vous plaît, une petite vidéo sympathique comme ça. Sur ce, je vous dis à ce soir pour la boutique, même heure comme d'habitude. Et puis n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur Twitter, je suis régulièrement dessus. J'ai publié tous les future skins qui vont arriver prochainement. Donc peut-être qu'il va y en avoir aussi peut-être ce soir ou demain, je ne sais pas. On ne sait jamais trop la date en général. Des fois ça arrive que Epic Games spoil un petit peu le truc ou autre, mais c'est pas toujours le cas. Donc voilà, s'il y a jamais un skin qui va bientôt sortir, ou je sais à peu près le jour, je vous le dirai, ne vous inquiétez pas. Je le dirai sur Instagram en général, et du coup ça publie sur Twitter à chaque fois. Donc voilà, sur ce, à ce soir, ciao les gars, et puis, bonne game si vous jouez actuellement.